Salut tout le monde, c'est Exoatomique. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de Rage Tech. Dans le dernier épisode, on avait vu comment fonctionne Tinker's Construct. Et aujourd'hui, on va construire 2-3 machines. Voilà. Grâce au Glue Bowl qu'on avait débloqué. Débloqué. Qu'on avait construite la dernière fois. Fabriquée. Et en fait, je sais pas si vous en rappelez. Ce qui nous manquait en fait pour construire ces différentes machines, c'était des électroniques circuits. Voilà, il nous manquait ça. Qui se faisait en fait avec des copper cables. Et il me fallait ce petit truc. Maintenant, je l'ai. Mon deuxième problème est. Enfin, attendez une seconde. Ouais. Mon deuxième problème, c'est que pour avoir ça. Je me disais c'est simple, bon c'est comme avant, vous mettez trois copper cable et voilà, ça fonctionne. Et ben maintenant ça fonctionne plus comme ça. Alors soit on fait avec cette méthode, en sachant que pour avoir une copper plate comme ça, il nous faut une copper ingot. Voilà. Soit il faut faire dans des metal formers, un truc bizarre. Et mais il nous faut aussi un cutter. Voilà, donc c'est avant le craft, c'était juste vous mettiez comme ça, et puis ça y est, c'était ça y est, ça vous donnait 6 câbles. Et ben, plus maintenant. Alors, je vais déjà aller vider mon inventaire. Voilà, ça me paraît pas trop mal. Alors, il va me falloir du fer. D'ailleurs, j'ai plus beaucoup de fer, il faudra que j'aille miner après. J'ai pas trop le temps, mais bon, on verra. On va s'arranger. C'est pas grave ça. Alors, il va nous falloir. Et faire le cutter en premier. Donc le cutter c'est 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Je vais faire les copper plates en même temps. Faut que j'en fasse un chiffre pair. Il va m'en falloir. Je vais en faire 10. Voilà. On crée le cutter comme ça. Ah ok, non, il y a deux de fer hein, normalement aussi. Ok. Voilà, le cutter. Alors ce que je me demande, est-ce que ça marche sur les arbres et tout? Non. Ça fonctionne pas. Bon. Ça aurait été bien, mais ça ne fonctionne pas. Donc. On met nos copper comme ça et ça nous donne du câble, c'est magnifique. Maintenant, on met comme ceci, comme cela. Et voilà, on a nos copper cables. C'est magnifique. Maintenant, si on regarde le craft de la redstone et une iron plate pour changer. Et j'ai pas pris de redstone. D'accord. Pas de problème. Et ce qui est bien, c'est que après, avec des machines, on pourra automatiser toute la partie craft des iron plates et tout. Et ce sera vraiment bien. Parce que c'est tellement long à chaque fois à craft ce truc. Et voilà, on a l'électronique circuit. Donc ça par contre c'est pour une machine, ça ne fonctionne pas pour toutes les machines. J'entends il va falloir en créer un par machine. Un peu déçu du coup. Il faut ça, il faut que je place ça comme ça. Attendez, je regarde le craft en même temps. Deux cobblestone. Et l'électronique sur lui.
Pas sans plus. Bah, bien sûr, ça marche pas. Si on regarde le craft du macérator, eh ben, ça marche pas. On n'a pas le craft. Donc, c'est super. On sait à quoi il sert. Voilà, c'est super. Mais quand on veut son craft à lui, on l'a pas. Donc, en regardant sur internet, et vous pourrez vérifier si vous ne me croyez pas, c'est 3 de flint, 2 de cobblestone, un casing machine block et un électronique circuit. Et donc, c'est ce qu'on vient de faire. Voilà, je vais le refaire une fois pour vérifier. Et voilà, ça ne me fait rien. Donc, comme d'hab, on va se le prendre. C'est bien ce modpack, mais il est un peu buggé sur les bords quand même. Donc, voilà, donc on a notre macérateur. Oh, attendez, je récupère ça. On va tirer. 3 de flint. Et 2 de cube. Voilà. Voilà, donc comme si on avait craft notre machine block. Notre macérateur, je veux dire. Voilà. Donc, on a une de nos trois machines. Donc, normalement, les trois machines vont avoir le même problème. C'est que. C'est fait en carton. C'est complètement buggé et il n'y a plus de craft. Je viens de me rendre compte qu'on va pas avoir assez de trucs. Ouais. Attends, je regarde. J'avais pas préparé mon truc. Je regarde juste le craft rapidement sur internet. Normalement, c'est OK. Alors, c'est ça, mais il me refait un circuit électrique. Donc, on met ça. On met ça. Voilà. On met ça. Tac, tac, tac. Et voilà un circuit électronique. Voilà, donc ça c'est pour faire un extracteur. Alors, on positionne ça comme ça, des three tap. D'accord. Le basic matching casing et le circuit électronique et comme l'autre, bah ça fonctionne pas. Extracteur, voilà. Alors, il y avait 4 étapes. Ouais, je trouve que ce modpack est bien. Il y avait ça aussi. Ce modpack est vraiment cool, mais ça reste buggé ici. Et ça, je trouve ça vraiment, vraiment dommage. Parce que c'est dommage. Voilà. Par contre, pourquoi il y a écrit erreur là juste au-dessus, je ne sais pas. D'accord. J'espère que ça fonctionnera quand même. Je pense qu'il dit erreur parce que c'est pas alimenté encore. Et c'est normal. Maintenant, il va falloir quelque chose pour alimenter. Donc, générateur. Il est ici. Non, c'est pas. Mince. Recette, alors il me faut un four. Stainless steel plate. Alors, c'est bon. Alors, en fait, je vais créer un générateur là pour pouvoir alimenter mes machines. Normalement, il y a le craft, donc je devrais, si je mets les bons trucs, ça devrait fonctionner. Ah ouais, mais non, en fait, ouais, il va me manquer de toute façon de trucs. Bon, il faut que je refasse des glue balls pour avoir du copper encore. En fait, ce que je voulais faire, c'est créer le générateur pour pouvoir alimenter l'extracteur. Voilà. Et pouvoir extraire de ça et 63 sticky résine pour créer 63 rubber
rubber ball, là, les trucs noirs qu'on a utilisés. Et comme ça m'aurait évité de refaire des globos. Bon, malheureusement, je vais être obligé d'en refaire. Donc, petite ellipse, le temps que je fasse tout ça. Voilà, donc on se retrouve. J'ai 18 globos. Donc, on va faire le générateur. Commencer par la batterie. Ah, tin plate. J'en ai là. Voilà, donc tin plate. On met du tin. On met le marteau. Et voilà, tin plate. Tranquillo. Voilà, et donc. Rien d'hyper compliqué. Après, des copper cable. On met ça comme cela. Et. What? Ah, c'est un tin cable. Donc. Ah oui, d'accord. Donc il faut juste que je fasse ça avec du. D'accord, pardon. Excusez-moi. Il me faut pas des copper cable. Il me faut des tin cable. Bon. C'est le même principe, de toute façon. On met. Il faut déjà que. Je construis ça. Donc aujourd'hui, c'est épisode craft. Là. Comme cela. Maintenant. Ça. Avec ça. Comme cela. Les tins. Et alors, tout en milieu. Et voilà. On a notre batterie. RE batterie. Maintenant, générateur. Il nous faut un four. Oui, ça, je dois en avoir. Tellement de bordel dans mes coffres, quoi. Je vais essayer de faire rapidement une salle des coffres, mais en fait, je veux faire un truc complètement automatisé, donc. Donc, forcément. Ça prend pas mal de temps. Silver. Oh. Juste faire fondre ça. Waouh, c'est quoi ce lag? D'accord, bon, je sais pas ce que c'était. Qu'est-ce que je cherche? Un four, voilà. Donc, on va en crafter un super rapide. Voilà, et donc le truc du milieu, c'est là, le morceau compliqué. Alors, donc ça, on l'a, il n'y a pas de problème, ou du moins, c'est pas compliqué à crafter. Mais ça. C'est en fait c'est mon problème c'est plus ça. Le steel ingot. Alors, au smelter. Ils sont drôles. Industrial blast, juste pour faire un industrial blast, qu'on rigole. Industrial. Blast. Juste pour rigoler, c'est ça, Industrial Blast. Oh, je comprends pas, c'est un petit peu compliqué. Voilà, donc voilà. Et ils veulent vraiment qu'on ait ça. C'est un petit peu de foutage de gueule, monsieur. Du coup, je sais pas comment je vais faire parce que pour mon générateur. Il me faut ça, et même si je prends autre chose, style. Le style, c'est pareil. Le style, j'en ai 5 et je l'ai trouvé dans un donjon. Voilà quoi. Et sinon, c'est quoi la troisième possibilité? Non, c'est long à faire. Donc, blanc, noir. Ah non, il y en a que deux en fait. Ok. Donc, honnêtement, générateur qui doit être le premier truc qu'on fait, un hein, des trucs de base. Je ne vois vraiment pas comment ils veulent qu'on fasse là, c'est. Ils se moquent de nous là, vraiment, c'est. Comment vous voulez qu'on fasse ça, sérieusement?
Donc moi, ma vision des choses, c'est de pas rester bloqué. J'ai pas envie de rester bloqué juste à cause d'un de quelque chose qui est pas logique, qu'on peut pas avoir ou quoi. Au début, je pensais par exemple que que ça, c'était pas possible de les obtenir. J'ai trouvé qu'avec Tinkers, on pouvait l'avoir. Mais là, pour le coup, vraiment. Il faut un Blast Furnace et Blast Furnace, on vient de le regarder. C'est juste pas possible de l'avoir maintenant. Il nous faut centrifuge et tout. Et pour tout ce qui est centrifuge, il nous faut du courant, donc un générateur. Donc, c'est un cercle vicieux. Donc, écoutez, je vais faire comme d'habitude. Je passe ma vie à le faire. Mais je vais me le guider. Écoutez, j'ai construit ce que je peux construire, mais ça, je peux pas l'imaginer. Je peux pas l'inventer. Style, la seule façon de l'avoir, c'est Blast Furnace. Voilà. Donc. En fait, cette série, c'est. C'est un peu n'importe quoi, du coup. Alors. Ça m'utilise la air batterie, le four, et puis. Et les trucs que je peux pas me prendre, donc voilà. Alors, on va aller poser ça. Voilà, et en fait, ce qu'on fait, c'est que par exemple, on met de la redstone. Non. Voilà. Voilà. On met de la redstone et ça produit 4K 10 œufs. Voilà, et ça produit des œufs. Et normalement, voilà, lui, il est alimenté, vous le voyez. Et du coup, extracteur, on va pouvoir alimenter. Alors, va falloir faire attention parce que ça, c'est pas une grosse production. Voilà. Et là, je vais lui en demander beaucoup normalement. Donc là, ah, ça tient, tiens. Ah, c'est intéressant. Ça tient. J'aurais pensé que ça allait descendre genre énormément. Ah, c'est une bonne nouvelle ça. Ça veut dire qu'avec un peu de charbon. Voilà. Et comme vous voyez, là, ça me crée énormément de rubber du coup. Voilà. Ah, enfin ça fonctionne. Donc c'est bien. Et on va juste terminer par se construire la dernière machine, du moins pour aujourd'hui. Ça va être. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? On a fait extracteur, on a fait macérateur. Donc ça va être. Je sais pas. Attendez. On a fait. Je sais même pas si bon fait. Mince, c'est quoi ce craft? C'est, je crois, compresseur. Ouais, ça doit être ça. Ouais, c'est compresseur. Alors, je vérifie 10 secondes mon craft sur internet. Compresseur. Oui, c'est bien ça. Alors, il me faut un circuit électronique. Donc, toujours pareil. Attends qu'on va commencer à le connaître. Voilà. Voilà, et encore une fois, modpack buggé. On ne peut pas le crafter. Et même quand on clique dessus ici, on n'a pas le craft. Voilà. What? Ah, pas mal. D'accord. Bon, du coup, on va encore se le prendre. En fait, c'est la série du tricheur, ça. C'est. hop là, et hop là. Et donc là, pour le moment, ça ne nous dérange pas trop. Mais après, faudra faire gaffe au. Ah, il y a presque plus. Ah, il n'y a plus d'énergie. Okay. Faudra faire attention aux entrées. Là, par exemple, on voit que la sortie, elle est à 10 EU par tick. Voilà, c'est écrit ici. Voilà, 10 EU par tick. Et par exemple, on voit que celle-là, elle utilise 2 EU par tick. Et elle accepte au max. 32 EU par tick. En gros, si vous mettez plus de EU,
Et bah la machine va exploser. Et vous aurez plus qu'à la reconstruire. Voilà. Alors, d'accord, ça a plus d'énergie. Bon, écoutez, on va se laisser pour cet épisode. On aura vu pas mal de choses. Épisode légèrement plus court, je pense. Ouais. Ah ouais, non, ça fait épisode de 10 minutes. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et moi, j'ai pas énormément de temps, donc si on va se laisser là. Je suis désolé, épisode un peu plus court, ouais, 10 minutes. Bon, c'est pas grave, c'est bien aussi les épisodes de 10 minutes. Mais j'ai pas le temps de faire plus, je suis désolé. Et puis, si je veux pouvoir vous sortir des épisodes assez régulièrement, bah, c'est bien. Voilà, au prochain épisode, on verra peut-être, on essaiera peut-être de terminer la déco de cette partie. Peut-être commencer la déco de celle-là de partie aussi. Mais il faut que ici en fait ce sera ma salle des coffres. Il y aura plein de coffres. Mais vu que je veux faire la chose automatique avec des rangements et tout, et ben on peut pas le faire de suite. Alors, est-ce qu'il y a les logistic pipes? Non. Ok. Et je voulais voir, est-ce qu'il y a les... normalement, bah ça c'est sûr. Pipes. Yes, ok, il y a les pipes. Donc on pourra voir ça. Donc pas au prochain épisode, évidemment. What? Ah non, d'accord. Pas au prochain épisode parce que il y en a qui sont simples, genre tout ce qui est cobblestone, mais il y en a certains. Il y en a certains qui nous seront très importants. Et qu'on peut pas vraiment faire de suite parce qu'il nous faut du diamant ou quoi. Et que j'ai déjà pas beaucoup de diamants. J'ai pas envie de les utiliser pour. Pas envie de les utiliser pour. Voilà. pour faire des pipes. Par contre. Je pense ce qu'on fera la prochaine fois, c'est se créer une quarry. C'était une liste d'état. Quoique, je sais pas si. Ah, Atone 7, circuit, lazurite. Je sais pas si j'en ai de lazurite. Ça se fait pas à partir de ça. Ah, il va me falloir une centrifuge. Ouais, centrifuge pour ça. Ça, normalement, c'est. Ah, mais non, c'était style. Waouh, ils sont sérieux. C'est encore du style. Engrenage comme ça me va. Mais là, il peut pas mettre du fer plutôt que du steel parce que. Non, c'est que du steel à chaque fois. Ouais. Oh, smelter. Ouais. Donc, non, mon quarry, ce sera pas pour de suite. Diamond Girls. Et de toute façon. Titanium. Oh, ils sont sérieux. Ah, oh, mais c'est vachement trop compliqué ce mode pack, sérieux. Ouais, donc quelque chose qui va être hyper important à faire, ça va être le Industrial Blast Furnace. Mais bon, vu ce que ça consomme, je sais pas comment je vais faire. Je m'appelle Blast Furnace. Induction furnace. Ouais. Ouais, bah ce sera assez compliqué. Je trouve que ce modpack il est même trop compliqué parce que en plus vu qu'il est à moitié buggé, il y a certains crafts qu'on peut pas faire vraiment. Donc. Il est bien ce modpack mais il est buggé. Donc. Voilà.
Bon, bah, j'espère que vous aurez aimé cet épisode. Et puis, bah, on se retrouve au prochain épisode pour, je pense, un petit peu de déco, terminer la décoration de la maison. Base, maison, je sais pas comment vous appelez ça. Et voilà. bah, sur ce, prenez soin de vous et à la prochaine. Ah oui. Et à la prochaine. Et on ira chercher un cheval la prochaine fois aussi. Pour le swag. Voilà. Allez, salut. Oh, j'ai raté. Je me demande. Est-ce que je peux traverser? Et voilà. Allez, salut.